la campagne de vaccination avance. Sur l'ensemble de la Moselle, plus de 250 000 doses ont d'ores et déjà été administrées à plus de 180 000 personnes. Depuis le début de la campagne de vaccination, les hôpitaux de Sarreguemines ont administré près de 17 000 doses de vaccins, 10 000 en première injection et 7 000 pour la deuxième dose. Chaque jour, entre 100 et 200 doses sont administrées ici au centre de vaccination de Bitche. Hier matin, Laurent Touvet, préfet de la Moselle, s'est rendu sur place pour suivre l'avancée de cette campagne de vaccination. Alors pour l'instant, nous faisons avec les doses que nous recevons, qui sont d'environ 25 000 par semaine pour toute la Moselle. Et donc il y en a 600 ici pour l'hôpital de Bitche, qui est un des 20 centres de vaccination du département. J'ai tenu à ce que la vaccination ne soit pas que dans les grandes villes, mais qu'on puisse dans tous les lieux du département avoir un centre de vaccination assez proche de chez soi. Et donc ici à Bitche, avec une équipe médicale motivée, volontaire. Malgré cette campagne de vaccination qui avance, certaines personnes âgées isolées ne sont toujours pas vaccinées. Pour y remédier, certains élus ont sollicité le préfet de la Moselle pour faire venir le Vaxicar. Un bus de vaccination qui a pour but de rapprocher le vaccin des populations isolées sur les routes du Bitcherland, comme c'était le cas au pays de l'Albé des Lacs le mois dernier. Ce bus, il tourne dans des villages, mais il faut quand même une organisation sur place. Hein. Le bus, vous voyez, il fait froid ce matin, et donc les personnes qui attendent pour être vaccinées, il faut un lieu où elles puissent être accueillies. Donc c'est une organisation qui est quand même assez lourde à mettre en place pour des petites communes, mais ça permet dans certains villages que ça soit la vaccination qui aille vers les personnes au lieu de les obliger à se déplacer. Alors on ne peut pas faire ça partout, mais ça, il a tourné du côté de Sarrebourg et il viendra aussi par ici. En attendant ce Vaxicar, les hôpitaux de Sarreguemines continuent leur campagne de vaccination. 7 000 personnes se sont déjà vues administrer leur deuxième injection de vaccin Pfizer-BioNTech.